Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien lu l'avertissement au début du jeu. C'est pour déconner, c'est pour rigoler, mais ce jeu est tellement pourri, tellement de la merde, que je vais commencer vraiment à m'amuser avec ça. C'est bien sûr le fameux, l'unique Retour vers le futur sur Nintendo NES. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique, ces graphismes de merde, cette musique de merde. Ces nanas qui jouent au cerceau, je sais pas ce qu'elles font. C'est horrible, à chier. Regardez-moi ça, comment c'est... les mecs habillés Village People, là, qui dansent et tout, faut les éviter. Faut tout éviter dans le jeu. En fait, c'est pas compliqué. Il faut courir sans arrêt, aller à droite, à gauche, éviter tout ce qui bouge, ou tout ce qui bouge plus, en fait, tout ce qui bouge pas, en fait. Ouais, c'est de la merde. Les poubelles, ça tue, c'est bien connu, bien sûr, évidemment. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Il faut, en fait, l'écran avance tout le temps, donc il faut se dépêcher. Le Village People, il m'a niqué, hein, sans jeu de mots, bien sûr. On continue comme ça, il faut récupérer des horloges à la con. Qu'est-ce que c'est de la merde, ce jeu, mais franchement, mais attaquer en justice le gars qui l'a créé, quoi. Les programmeurs, il faut les... Je sais pas, j'espère qu'ils sont en prison, je sais pas. Ou... Regardez ça, on crève tout le temps, je suis encore mort, j'ai même pas réussi à bouger. Y a rien. C'est un jeu pour faire du pognon, mais pur et dur, quoi. Franchement, c'est de la merde. Regardez ça, je suis encore mort, j'ai à peine bougé. Je vais essayer quand même d'arriver, parce que là, on marche sur les trottoirs pour arriver dans une espèce de maison, je crois. C'est le drugstore, je sais pas quoi, là, du film, en fait. Il y a 4 niveaux avant d'y arriver. Une espèce de bar, je sais pas quoi, enfin, voilà. Je suis encore crevé, les mouches géantes, les abeilles géantes, ça tue aussi, c'est connu. Il y a des flaques d'huile. Le temps, je récupère du temps, je sais pas à quoi ça sert. Ah bah si, c'est pour le temps, je suis con. On continue, la musique est vraiment à se tirer une balle dans la tête. Les amis, je vous le dis tout de suite, si j'aurais commencé les jeux vidéo avec ce jeu, je pense que je n'aurais jamais fait de chaîne. Et j'aurais arrêté tout de suite de jouer aux jeux vidéo. Parce qu'il est vraiment exceptionnel de niveau merde, ce jeu. Je sais pas. Et si vous avez des idées... putain, je suis crevé, putain de merde. Mais quel jeu de merde, franchement. Je trouve rien à ce jeu. J'essaie de... J'aime beaucoup le film. Retour vers le futur. Mais là, c'est retour vers la merde, quoi. C'est... Regardez ça. Regardez ça. Y a aucune idée, y a rien, quoi. Il faut juste avancer, éviter tout ce qui bouge, les ennemis. Bon, j'ai gueulé un petit coup de gueule, mais j'ai passé le niveau. Avec beaucoup de souffrance, hein. Je peux vous assurer que c'est bien parce que je vous aime bien. J'avance un petit peu, vous voyez, vers la route, vers la maison. On continue, j'ai plus qu'une vie, 3 vies de souffrance. Je souffre avec vous, les copains, franchement. Attaquez en justice les programmeurs, ils sont encore en vie, ne vous inquiétez pas. Il faut faire quelque chose, écrivez à Nintendo, demandez-leur ce qu'il leur a pris à l'époque pour faire un jeu aussi de merde. Hein. La licence Nintendo, c'est abusé. Le pognon, ça n'a pas d'odeur, on le voit bien dans son jeu. Je suis encore crevé pour la 8e fois, c'est pas grave, la musique est fantastique. Regardez-moi, écoutez-moi cette musique magnifique. Franchement, vous avez envie de vous suicider, quoi. Au bout de 5 minutes de jeu, là je commence à trembler et tout. Je me dis, c'est vraiment, 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 vraiment du foutage de gueule. Regardez ça. Mais regardez-moi ça, bordel. Il faut courir en tous les sens et tout. Il faut tout éviter. Il faut avoir Parkinson, quoi. Le gars qui a Parkinson, il prend sa manette. Il a une chance parce que, voilà, il appuie sur tous les boutons. Et il bouge de tous les côtés. Et là, il a de la chance, vous voyez. Il peut essayer de tout éviter, quoi. Les pots de fleurs verts, faut les éviter. Si vous touchez les trottoirs à gauche et à droite, vous crevez. Voilà quoi, merde, qu'est-ce que c'est que ça quoi, et c'est pareil, c'est le même niveau, hein. Là je me tape un deuxième niveau, mais c'est pratiquement la même chose, je vois pas trop de différence, c'est dégueulasse quoi. Les maisons, on dirait des maisons Lego quoi, toutes carrées, toutes pourries. Bon allez, je me calme, allez les copains, on va essayer d'arriver à la maison là. Et ce jeu, je le teste avec vous, hein. Je vous dis, je le connais pas. Enfin, je connaissais la légende de ce jeu, comme quoi il était exceptionnellement pourri. Mais jouer avec, c'est une souffrance perpétuelle. Donc là, j'ai réussi à passer le deuxième stage, je crois, la route. On va essayer de se faire
le dernier stage, il y en a encore deux je crois. C'est la même chose, on continue, les programmeurs sont pas fait chier. Regardez-moi ça. Ils continuent à nous faire chier avec ces putains de niveaux de merde. On continue à avancer dans les trottoirs et tout, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde de jeu? Il faut encore éviter les nanas avec les cerceaux. C'est la troisième fois que je me tape le même niveau. Là, j'ai touché le sol, le trottoir, je sais pas, je suis crevé. Et je m'en fous parce que c'est de la merde. Là, je suis mort. Je sais même pas pourquoi je suis mort. Pourquoi je suis mort, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai rien touché, j'ai rien fait. Là, même le gars, il se suicide dans le jeu, quoi. Il a tellement marre de jouer à ce jeu, le perso, quoi, qu'il se suicide, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Je l'ai évité, là. Franchement, bourré, vous jouez à jeu bourré, vous rigolez bien, quoi. Enfin, vous rigolez, vous jetez le jeu dans la poubelle, quoi. Mais là, franchement, merde. J'en ai marre de ce niveau-là. Il pourrait un peu innover, faire autre chose, je sais pas, quoi. En plus, je crois que c'est Marty, le personnage principal, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce perso de merde? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Bon, allez, je me calme. J'avance. Je vais essayer de finir le niveau, quand même. Ah, le banc, ça tue. Bah oui, les bancs, ça tue, forcément. Vous sautez sur un banc, vous crevez direct. C'est connu, ça. Hein. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. C'est pareil. Hein. Regardez ça, je slalom et tout. Putain! Ouais, c'est bon, je suis passé, je saute. On peut sauter, c'est génial. Super contrôle de merde. Bon, allez, j'en ai marre de ce jeu de merde pourri. Est-ce qu'on peut finir le niveau? Ouais, merci. J'espère qu'il n'y a plus de route là, parce que j'en ai ras le cul. Eh si, encore un niveau avec du trottoir, yes. Putain, je vais me suicider avant la fin du test, les amis. Franchement, merde, lâchez des coms, dites-moi que c'est de la merde aussi, quoi, que je suis pas complètement taré, quand même. Regardez ça. Regardez-moi ça, c'est le même niveau que 4 fois de suite je fais, là. J'en ai marre. Franchement, ah, il est bleu, celui-là, il jette des boulettes. Ah, il y a des roses, des bleus, des village people de chaque couleur. Les abeilles tueuses, il y en a plus que... Ouais, ça devient plus dur. Ok. J'essaye de gérer au mieux. Il faut que je bouge tout le temps. Ok, vas-y. Putain, m'a crevé cette saloperie. Putain, tout ce qui vole. Putain, j'aurai un bazooka, là, un lance-flamme, bordel de merde. J'ai rien. J'ai même pas d'armes, j'ai rien. Je sais pas, ils auraient pu faire le skateboard de Marty, là, qui vole et tout. C'est marrant, ça. Putain, j'ai rien, là. Qu'est-ce que je suis crevé, là? J'ai fait quoi, là? Putain, allez, vivement la fin de ce test, là. Je souffre, putain. Les copains, aidez-moi, là. Dites quelque chose. Ah, je bafouille. Dites quelque chose et tout. Essayez de m'aider, là, parce que... Oh là 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 là. Putain de merde de jeu. De jeu de putain de merde. Bon, allez, j'ai fini le niveau, là. Yes! Bonus 4x10, génial, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Alors, est-ce que je suis arrivé à la maison? Au café, d'accord, au café Bullies, j'y vais, ouais. Ouais, c'est déjà un graphisme un peu... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? Bon, qu'est-ce que je fais là? Je discute avec un gars, un barman. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il saute par la... Il s'est fait exposer sur la porte, c'est quoi c'est... Bon, la suite du jeu, c'est quoi? C'est quoi la suite du jeu? Ah, vas-y, ouais, on a la suite, j'attends la suite du jeu. Allez, c'est quoi? Allez, oui, on s'en fout de la discussion, c'est bon. Putain, j'ai fini! Putain, je me suis fait niquer, mais... Putain, j'ai pas tapé tous les niveaux pour ça! Putain, j'y crois pas, c'est le début du jeu, là, je me suis fait bousiller, mais c'est quoi ce jeu de merde? Bon, les amis, c'est de la pure merde. Faut tout recommencer, là, ça me saoule. Ciao, merci d'avoir souffert avec moi. Salut!